Bonjour à tous et bienvenue dans la toute première FAQ de la chaîne. Déjà, on voulait vous remercier car nous avons reçu plus de 300 commentaires. C'était quasiment épuisant de toutes les lire. Mais on adore ça, donc merci d'avoir autant participé. Ok, on va pas passer 4 ans sur une intro, personne n'en a rien à chier de toute façon. Commençons! Non, laissez-moi m'en aller! Lis ça, s'il vous plaît. Je ferai tout ce que vous voudrez. Lis ça! Ah, ok, polémique, quel est votre plat préféré? Alors moi, ce que je préfère manger, c'est les sushis. C'est vraiment bon. Ouais, j'avoue que c'est pas pire, mais moi, je préfère manger le cul de la mère des abonnés. Pourquoi vous faites ça? Vous êtes qui? Ta gueule, Ellie! Nick, pourquoi Paul n'est pas sur la photo de profil? Eh bien, moi, je suis très attirant, Paul. Arc! Notre but est d'attirer le monde sur notre chaîne, pas les faire fuir au point de rejoindre l'État islamique pour se faire exploser en France. Question pour Paul. As-tu récupéré ton argent volé par Thomas Sirix? Non, il me l'a pas rendu, mais voyez-vous, lorsque je m'étais mis à sa recherche... Polémique, concrètement, vous servez à quoi? Ah, excellente question. Puis vous, vous pensez vous servez à quelque chose? Vous allez tous crever puis y'aura personne pour s'en rappeler. Question pour Mick. Il t'est arrivé quoi à l'œil gauche? Ah, c'était en 1943. Il y a un juif qui voulait se cacher chez moi, donc je l'ai amené au camp de concentration avec un grand plaisir. Rendu là-bas, j'ai rencontré un officier qui m'a félicité et m'a remis un petit écusson pour mon courage et ma contribution. Rendu chez nous, je voulais l'accrocher bien en évidence sur le mur de mon salon, mais je l'ai échappé. Je voulais le rattraper pour pas qu'il touche le sol, donc je me suis baissé rapidement puis je me suis cogné l'œil sur le coin de mon meuble. Heureusement, j'ai rattrapé l'écusson. Paul a-t-il des cheveux? Eh bien non, je n'ai jamais eu de cheveux. Mais ça, soit Lévique, vous pouvez nous raconter l'histoire de votre lien de vie? C'était le premier jour. On était jeunes, on ne savait pas pourquoi on était là. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler. On a échangé un peu, et puis en marchant, nous sommes tombés sur un papier qui était écrit « Yo, faites ce que vous voulez, lol. Ah, pis by the way, si l'un de vous meurt, l'autre meurt aussi. » Voilà, c'est à peu près ça. Mick, avec combien de femmes tu as couché jusqu'à maintenant? 819 465. Pis ça, c'est seulement à partir du moment que j'ai décidé de compter, c'est-à-dire en 1566. Paul, t'as toujours été une grosse victime? Non, avant, je me battais souvent. Mais un jour, j'ai décidé de plus me battre, car la violence... Mais, hey, je suis pas une victime! Paul, tu es le diable! Alors pourquoi tu es le plus gentil? On n'est pas exactement comme dans la Bible, tout simplement. C'est des fils de pute qu'on a croisés vite fait qui ont décidé de faire de l'argent sur notre dos. Encore là, dans la Bible, je suis raciste pis homophobe, pis Paul, lui, ben, il est comme « Vas-y, fais ce que tu veux ». Donc il y a une partie de vrai dans toute cette tonne de marde-là. Question pour Mick. Pourquoi avoir créé les hommes à ton image alors que tu aurais pu les rendre meilleurs? Déjà, je suis pas responsable des moindres faits et gestes de chaque personne. Vous êtes cave par nature. Ensuite, créer le meilleur que moi, même en essayant, je pense pas que ce serait possible. Finalement, les rendre meilleurs, ce serait plate. T'imagines si toute la planète était des esti-snobs faguettes? Paul, du coup, t'es gay ou pas? Oui! J'aime mettre des gros pénis dans ma bouche! Je m'appelle Paul Langevin et je suis un homosexuel! Il n'y a aucun doute là-dessus! Question pour Paul et Mick! Comment on fait pour s'abonner? Ouais, comment on fait? Quoi? Dis-leur comment on fait pour s'abonner! Quoi? Ah! Abonnez-vous en appuyant sur le bouton abonner! T'en fais quoi du monde qui sont déjà abonnés? Ah, si c'est pas déjà fait! Si c'est pas déjà fait! Dis-leur de liker, de commenter, de partager! Liker, commenter! Et le partage, je me le fous dans le cul! Ah non! Non! Partagez s'il vous plaît! Ouais, ben en tout cas, j'espère que tu les auras convaincus parce que si on n'a pas 250 likes avant minuit, je reviens pour te tuer! Non, pitié! Laissez-moi partir! À dimanche prochain, tout le monde! Non!